Les vacances sont terminées pour les élèves du Burkina, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou de l'université. Tous ont repris ce matin le chemin des classes. C'est le jour des grandes retrouvailles avant les angoisses des devoirs de contrôle, mais aussi des examens au lendemain du putsch qui a entraîné un réaménagement du calendrier. Tous les acteurs espèrent une année apaisée et sans accroc. Gérard Sommet, Nathalie Kaoré. Que ce soit dans les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement général, les élèves se sont présentés en ce premier jour des classes. Il est 6h30 au lycée Philippe Zenda Kabore. Pendant que certains élèves continuent d'arriver, d'autres, et notamment les tout nouveaux, sont déjà là et consultent les listes pour retrouver leur classe. Monsieur Salambéré assiste à son fils pour cela. Je suis venu avec mon appel. Pour voir si son nom est là. Bon, il est affecté ici, mais je n'ai pas encore vu le nom là. Une fois leur classe identifiée, ces élèves qui entament une nouvelle expérience dans leur vie scolaire peuvent maintenant exprimer leur état d'esprit. Je me sens bien. Oui, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je vais bien travailler ici. Je dois rester sage sans faire la barre avec moi. Chez les plus grands, on est plutôt préoccupé par les éventuelles conséquences du report de la rentrée sur le déroulement de l'année scolaire. Même quand la rentrée est normale, on n'arrive pas à finir nos programmes. Ça, c'est déjà un. Maintenant qu'ils ont reporté, je me dis qu'on ne pourra pas finir nos programmes, à moins qu'on fasse vraiment un effort. La même inquiétude est partagée par le premier responsable du lycée Philippe Zenda Kabore. Quand même, ça fait presque 2 semaines de cours de mise en train. On va peut-être essayer de respirer que tout ce que le pays a traversé va nous donner maintenant une session scolaire calme. Et les petites revendications, les perturbations multiples pendant l'année scolaire vont s'arrêter. Et si c'est le cas, vous voyez que ce petit retard qu'on a accusé là sera rattrapé. L'autre ambiance en ce jour de rentrée scolaire, c'est la reprise du petit commerce au sein des établissements. Et en la matière, la gamme est variée. En plus de la nourriture, même des objets de parure sont proposés aux élèves sur place.